Motherfucking Véronicus! C'est pas le bon thème, mais ça colle quand même. Oh là 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 là, Véronicus en chef de croisade, hein. Avec le thème à Véronicus. Véronicus, c'est un gars, quand il rentre dans une pièce, le vent se lève. Et même Lucius Malfoy, il est obligé de lever un peu sa main pour se protéger, tu vois. C'est imbloquable, hein. Oh là 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 là. Alors bien sûr là ça se voit pas mais il mesure 2m15. Il mesure 2m15 et il a la voix la plus grave jamais créée sur cette planète. Il a la voix de Xerxès. C'est là. 2m15 parce que ses talons font 15 cm. Hein. Il a des bottes, mon gars. Il a des bottes. Hein. Il est non-binaire, il s'identifie en tant que il, mais tu peux l'appeler comme tu veux. Il sera exactement tout ce dont tu as besoin. Tu peux dire il, tu peux dire elle, il s'en bat les couilles. Le mec... Voilà. C'est juste ça. Juste ça. Le mec, à un moment, il a calculé comment avoir le plus de peau d'air. Et il a calculé que quand tu mets une robe, du rouge à lèvres et que tu t'habilles comme une reine, les gens te traitent comme un dieu. Rajoute ça littéralement avec des doigts divins capables de caresser toutes les douceurs des rêves des hommes et d'invoquer les pires entrailles de l'enfer d'un seul claquement. Un homme qui n'a besoin pour se faire entendre que de prononcer une seule parole et qui n'a besoin pour arracher aux griffes de la victoire l'armée ennemie un seul geste de la main. Oh là 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 là. Mais ouais, hein, c'est 100% inspiration Galdoblam. Hein. Et Galdoblam existait bien avant tous vos délires, hein, brave Jean, donc calmez-vous. Ah non, mais tu lui baises la bague pour te présenter. Tu lui baises la bagouze. Tu dis pas bonjour à Véronicus. Tu lui prêtes allégeance tous les jours.
Le mec, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve sur le champ de bataille, il a toujours le soleil dans le dos, si tu veux. Oh là là, ce pot d'air, ce pot d'air. Voilà. Mais c'est parce que il est travesti parce que la logique est que il est tellement puissant qu'il peut mettre du rouge à lèvres tous les matins, il s'en bat les couilles. Personne ose jamais rien lui dire pour la bonne simple raison que d'un froncement de sourcil, il peut lever une armée, d'un geste de la main, il peut raser ton pays et d'un mouvement de ses doigts, il peut invoquer une météorite sur ton continent si tu veux. À un moment voilà. Et techniquement, Enzangul, j'ai toujours pas comment ça se dit Enzangul. J'arrive toujours à pas à le dire, mais c'est pas grave. Enzangul dans Overlord, c'est exactement la même chose. Hein. Alors après, Enzangul dans Overlord, vous allez me dire, c'est une liche. Oui, mais techniquement, c'est un squelette. Et être en squelette, c'est quand même être encore plus nu que les autres, tu vois. Loyal neutre ou loyal mauvais? Loyal mauvais. Parce que loyal neutre ne va jamais jusqu'au bout. Loyal mauvais, c'est les seuls qui arrivent à maintenir une société stable. Une main ferme. Un esprit clair pour un but atteint. C'est le loyal mauvais de la bienveillance. C'est le loyal mauvais directrice d'école. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Voilà. Voilà. Tu vas être déçu par la campagne dans ce cas. Dommage. Il sera mauvais avant d'être loyal? Non, loyal avant d'être mauvais, bien sûr. Toujours. Garantie. Un loyal neutre applique la loi. Le loyal mauvais crée la loi. Bon, oui, bien sûr. Garantie. Avouez que vous êtes hypé à l'idée de voir les aventures de Véronicus. Qui face à des e-bourses de 30 mètres de haut, va les regarder et faire « Avada Kedavra ». Genre le mec, il va se battre en battage de doigts, si tu veux. Ouais, c'est pour ceux qui ont mentionné, est-ce que c'est comme Adèle dans FF8? Ouais, exactement. Adèle de FF8, c'est la même chose, c'est garanti. De toute façon, il faut être loyal mauvais, si tu veux. Pour porter du rouge à lèvres comme ça, si tu veux, faut être loyal mauvais, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Parce que c'est le rouge à lèvres des directrices d'école, tu vois. T'es obligé d'être loyal mauvais pour avoir du rouge à lèvres de directrice d'école. C'est pas possible. Et Yuda. Bah, il y a Yuda aussi, hein. Il dit juste Avada Kedavra, mais il lance même pas le sort. Pourtant, son adversaire, il meurt pareil. C'est son follower qui a lancé l'Avada Kedavra à sa place. Véronicus. Aïe. Un Véronicus, c'est garanti. Moi, ça me fait rire. Elles t'ont fait quoi, les directrices d'école? Bah, elles sont obligées d'être autoritaires parce qu'elles gèrent des gamins. Et les gamins, c'est juste chaotic evil, si tu veux. À un moment, quand tu veux diriger des chaotic evil, faut être lawful evil. T'as pas le choix. Sinon, t'es pas efficace, en fait. Et si tu l'es pas, tu vas le devenir en un an. Sinon, c'est pas possible. T'es obligé. C'est mathématique. Impossible de diriger les gamins en étant quoi que ce soit good. Hein. Impossible. Ah là là, mais qu'est-ce que moi ça me fait rire. Qu'est-ce que moi ça me fait rire. C'est mes délires, hein. Moi j'adore. Et avouez qu'une partie de Véronicus où tous les membres de ton équipe essaient de te sauter dans le slip, essaient de sauter dans ton lit en disant « Véronicus, je voudrais vous avouer que... » Bien sûr, déplaçons-nous dans nos quartiers afin d'en discuter plus longuement. Après vous... Oh là 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 là. Véronicus, je dois vous demander, êtes-vous un homme, une femme? Je ne sais pas ce que vous êtes. Je serai tout ce que ton cœur désire. Oh la vache.
Le mec, il a pas des cordes vocales, il a du miel. Moi, ça me fait rire. Ça me fait un peu penser à Griffiths, tout ça. C'est exactement ça. French Murphy, je suis désolé, mais Griffiths, c'est un proto-Véronicus. Griffiths, la seule différence, c'est qu'il met du, il met pas du rouge à lèvres, si tu veux. C'est tout. Vraiment, c'est tout. Mais le meilleur exemple reste l'empereur Gueldoblam. Pour ceux qui connaissent pas l'empereur Gueldoblam, régalez-vous. Griffith, c'est juste androgyne. Bah, Véronicus aussi, si tu veux. Griffith est mauvais avant d'être loyal. C'est vrai. Griffith est neutre mauvais. C'est FF2 ou c'est Gueldoblam? Non, c'est Baten Kaitos. C'est juste un petit gros qui met du rouge à lèvres au violet, si tu veux. Tellement le gars, il en a zéro plus rien à foutre. Il est juste trop puissant. Fait pour votre petite histoire, Gueldoblam, c'est juste l'empereur de l'Empire, du plus gros empire qui ait jamais existé. Et un matin, il s'est réveillé, en fait, il a dit qu'il allait garder ses pantoufles. Parce qu'il en est marre de s'habiller, tu vois, pour ses followers. Du coup, il va dans la salle du trône, il a ses pantoufles, il s'assoit sur le trône, personne ne dit rien. Il dit ok. Lendemain, il vient avec ses pantoufles, personne ne dit rien. Au bout d'une semaine, il vient, mais sans ses chaussettes. Personne ne dit rien. Au bout de 3 semaines, il vient, mais sans sa cape ou sans son pantalon. Au bout de 2 mois, il vient, mais avec la robe de sa cousine. Au bout de 6 mois, il vient, il a full rouge à lèvres, maquillage, Bilal Hassani, si tu veux. Tiers. Et personne ne dit rien. Et lui, il se demande quand est-ce que quelqu'un va craquer et lui poser une question, si tu veux. Et un jour, au bout d'un an et demi, où il met du rouge à lèvres rose et des vêtements au pif, tu vois. Là, il y a un soldat qui fait, Monsieur, mon empereur, vous êtes sûr que ça va? Vous vous habillez étrangement depuis certains temps. Et là, tu l'exécutes, le gars. Là, tu fais garde, emmenez-le, qu'il soit exécuté avant l'aube. Même pas, tu laisses sa famille voir l'exécution, tu vois. Ça, c'est loyal mauvais. Quelque part, mentalement, tu le félicites, le soldat, d'avoir eu les couilles, tu vois. D'avoir eu les couilles de parler. Mais d'un autre côté, tu peux pas le laisser. Tu peux pas le laisser parler. Sais, c'est un soldat, il faut qu'il connaisse sa place. Genre, il a le droit de parler de tes vêtements. Et c'est juste Chaotic Evil? Non, c'est 100% Loyal Evil. T'es l'empereur et le soldat, il a parlé out of place. Non mais voilà. Non parce que d'un côté, tu l'admires, il a osé poser la question que personne n'avait osé poser depuis le début. Et puis que toi-même, tu jouais pour savoir quand est-ce que quelqu'un allait craquer et la poser enfin, tu vois. Et quelque part, t'es soulagé que quelqu'un l'ait posé. Mais de l'autre côté, tu peux pas ignorer un tel manquement à la conduite de la part d'un de tes soldats. Immédiate exécution. Hop, hop, hop. Rémigration au cachot. Hein. Ça va vite. Hein. Et si la cour se met à s'habiller comme toi, mais tu te fous de leur gueule? Tu les traites de grosses chiennes gluantes? Et derrière, t'augmentes les taxes? Genre, vous sous-estimez le loyal mauvais, les enfants. Vous sous-estimez le poder du loyal mauvais, hein, et le fun qu'on peut avoir avec. Hein. Ouais, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Tu crois que Charles dit Britannia dans Code Geass?
tu crois que c'est pas un truc qu'il aurait pu faire? Tu crois que le mec il est contraint? Tu crois que le gars il a des limites? Les mecs. Les mecs, ils croient que toutes les monarchies, c'est la reine d'Angleterre, en fait. Apprenez que la reine d'Angleterre, c'est une des monarques les plus raisonnables qu'on ait jamais connues de l'univers. Pourtant, elle a fait de la merde aussi, mais elle a fait des trucs bien, tu vois. Non, non, non. Et si une courtisane fait l'inverse, qu'elle s'approche de lui, mais habillée comme un homme? Mais tu la moques! Tu la rabaisses! Constamment! Mais pas plus que les autres, tu vois, mais... T'es l'empereur, d'où elle se permet! Elle aboiera quand tu lui demanderas d'aboyer! Et puis c'est pas un empereur à la Napoléon, tu vois. C'est pas une méritocratie ici. Non, ici c'est toi qui décides si les gens ils gardent des vêtements le lendemain. Tu vois. Ah non, mais c'est le fameux conte, les habits neufs de l'empereur. Sauf que ce que conte a pas compris, c'est que normalement, le gamin, quand il dit que l'empereur a pas de vêtements, il t'appelle la garde et tu exécutes tout le monde. Et la prochaine fois, tu viens sans slip. Voilà. Et si tout le monde se casse parce que t'es trop relou, sans le peuple, pas de pouvoir. Mais Dormammu, ça marche pas. Parce que t'es dans Pathfinder. Et dans Pathfinder, quand t'es le putain de roi, d'un clignement d'yeux, t'invoques des météorites. S'ils veulent pas te servir, tu les tues, puis tu les relèves. Les squelettes qui te servent maintenant d'esclaves serviront d'exemple aux autres. Mais Bob, ce genre de comment ça s'appelle? Ce genre de dictature unilatérale ne marche pas. C'est quoi Agnès Lobby? C'est quoi Agnès Lobby? Oui, mais Luffy était une exception, ça arrive. C'est qui Eneru? Que ça fait rire. Ne prenez pas tout ce que je dis au sérieux, bien évidemment, moi je m'amuse juste. Hein. C'est les vacances, je peux enfin dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Qui est Sniper King? J'avoue. J'avoue. Alors, mon objectif, trouver du fer. Je sais qu'on est un peu en retard technologiquement, mais il me faut comment ça s'appelle? Il me faut aller me taper cet aîné. Or, il me faut un bateau. Or, il faut que je parte là en bateau, idéalement. J'ai la méga lance, j'ai le bouclier, j'ai une super pioche, j'ai du matériel. Il me faudrait de quoi pouvoir créer un deuxième portail, idéalement. Mais ce que j'aimerais bien, c'est du bois robuste. Allons chercher du bois robuste. Bois robuste, ils disent que c'est dans la forêt aux Pokémon. Il faut des popos anti-poison. Mais non! C'est seulement si t'es nul, ça. Ouais.
Tailleur de pierre, j'ai pas ça. Vince, 10, 2. Mais vous êtes no fun sur le chat, hein, avec Véronicus. Hein. Et si mon personnage y était gay? J'ai pas le droit de jouer un personnage gay? J'ai pas le droit de m'amuser? Vous êtes zéro fun quand même. Les bigots quoi. Il me semblait que j'avais plus de cœur de surtling que ça. Mais oui, si fait, il me semblait que j'en avais plein. J'ai l'impression que j'ai du stuff qui disparaît quand même. Je rêve ou... Bon bah j'imagine qu'il va falloir en trouver d'autres. Ouais bah il va falloir en trouver d'autres. D'accord, bon bah... Baiser. Surtout que moi je veux pas créer un gay, je veux créer un travesti. Le Brésil fait ça depuis 60 ans, j'ai le droit. Ouais, sauf que là, j'ai pas de PV, en fait. Je fais que partir comme un con, mais sans me nourrir. LGBT approuve Véronicus. Les LGBT ont jamais défendu les drag queens, de mémoire. Alors si, ils l'ont peut-être fait, mais pas depuis les 5 dernières années. Hein. Ou alors, moi, j'en ai pas entendu parler, mais c'est peut-être moi. Donc, laissez-moi porter des robes. Véronicus approuve LGBT alors. Mais Véronicus approuve tout le monde qui partage sa couche. Véronicus, c'est le brésilien. Hué, hué, hué. Voilà. Je croyais que Véronicus n'approuverait plus juste personne. Mais exactement, c'est pour ça que ça devient une liche, si tu veux. Il y a une cohérence scénaristique. Véronicus te juge, et il a raison. Cette gifle. Putain, j'ai pas le buff de reposer, merde, ça va être chiant ça. Alors, objectif trouver, je crois, du pain, c'est ce que m'avait dit Benzaï. Hein. Oui, j'ai retiré l'herbe parce que ça rend les objets au sol beaucoup plus lisibles, je trouve.
Ah mais Aizen Ghoul, il est 100% loyal mauvais. Hein. Il est même plus loyal que mauvais, c'est pour dire. Il était peut-être pas au début, hein. Maintenant il est 100%. Je crois qu'il était loyal mauvais au moment où on commence à voir un arc où il y a des lézards qui ont du sexe. Ça m'a choqué, ça aussi. Je m'en suis jamais remis. Et j'étais là, mais me montrez pas ça. J'en ai rien à foutre. C'est mignon, mais arrêtez. Cessez de sexualiser ce lézard. Instant Lola Bunny, quoi. Moi, j'étais là, mais arrêtez. Alors. Un pain. Ah, du bois robuste, enfin. Un sapin, de la merde, un pain, très bien. Point, 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 c'est gratuit ça. En tout cas, moi ça me fait rêver. Si le but dans Wrath of the Righteous, c'est de se battre contre une croisade d'invasion de démons, là où tu vois le baron, il aurait été incroyable. It's time to act! Et aurait mené les hommes au combat, tu vois, glorieusement. Voire aurait soloté à lui tout seul 40 soldats. Moi, je veux que les soldats se relayent devant un mec en robe de 2m15. Qui passe avec un cheval blanc plus grand que les autres et qui fasse un discours. Nous sommes réunis aujourd'hui pour repousser la menace. Mec, la mâchoire, elle est trop carrée. Le gars, il est trop viril. Ah, mais il est habillé comme merde, comme David Bowie. C'est ça, c'est ça. Véronicus, c'est mon David Bowie à moi. Il était gay, David Bowie? Non, il semble pas. Peut-être. À mon avis, il a dû coucher. À mon avis, il a dû toucher. Oui et non. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il était ce que tu voulais de lui. Exactement. Exactement. Il était au-delà du concept de la sexualité. Il était la sexualité. Il était fabuleux sexuel. Oh là. Tu vois, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça la promesse de Véronicus, tu vois.
Oiseau! Ouh, joli. Point. C'est quoi la meilleure type d'arme selon toi? Ça dépend de la situation. Mais si tu devais me laisser choisir en ne précisant pas de situation future que je devais affronter, dans ce cas-là, la lance. 8 chances sur 10 que la lance soit la bonne réponse. Et si on parle d'armes de corps à corps, hein, parce qu'en vrai, si tu veux une vraie arme, un arc. Un arc court. Empoisonné, dommage. Je peux pas taper de loin. Ah, il me faut de l'enduit. Voilà. Très bien. Bon, j'ai ce que je voulais. Rentrons. Ah. Là. Là. Je trouve boise. Merde alors. Voilà. Demain, on se prépare en expédition pour aller chercher des marécages, voire des tertres. Raté. Je pensais que ça toucherait. Touché, pas mal.
Voilà. Oups. Non. Hein? Là. Ok. Bouin, 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 bouin. Là. Alors. Ok. Super, super, merde, il m'en faut 10. Là, mon bois précieux s'est gardé aussi. Et le fameux nouveau bois. Et ça, par contre, c'est très bien. Voilà, bouffe, super, des queues de Nyx. Les schtroumpvoises, et ça me fait juste assez de schtroumpvoises pour faire de la confiote. Et la confiote, c'est bon. On aime la confiote. En tout cas, j'aime la confiote. Bouf. Voilà. Les potions en pause, ça en pause. Que je fasse cuire ça. On va remplacer ça par ça. Voilà, c'est pour partir longtemps. Mais putain, mais oui! Mais attends, j'étais persuadé. Ah bah quand même! Merci. C'est le bois normal, quel enfer! Bon, c'est pas grave. Quoi, c'est pas grave. Alors, surtout.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ceci? Pantalon en cuir de troll, c'est tout ce que j'ai de mieux. Casque en cuir de troll, tâche enflammée, bon, plus de bois. Bois de serre, j'en ai pas. Écu en bois. Brise serre. Bois robuste, c'est 5. Et ça tape à combien? Ça tape à 20. Repoussement, d'accord, ça doit faire une onde de choc, j'imagine. Mais cette lance est bien meilleure, du coup. Harpon abyssal, ça ne me sert à rien. J'aurais pas mieux avant un moment, donc tant qu'à faire. Flèche en bronze. Ah ouais, ça vaut quoi? J'ai perforant 45. Ça vaut combien la lance en croc? Perforant 76. C'est beaucoup plus puissant. Et ça, pareil, pour ces arcs, j'ai pas le moyen de... J'ai pas les moyens. Clou en bronze. Oh, cultivateur. Ah, c'est ça que je voulais. 5 bois robustes et 5 bronzes. Très bien. Donc pour du bronze, il me faut de l'étain. Merde. Ouh, voilà qui fait du bien. 15 bronzes. Pas mal, hein. On va claquer. Non, on va claquer un autre stack. Voilà, 20 bronzes, c'est honnête. Alors avec ça. Cultivateur, enfin! Allez, on avance! La technologie! Eh mais putain, et tout le reste par contre est en dehors. Par contre, épée de bronze, quoi. Ça, ça fait super mal, je suis d'accord, mais une épée, ce serait le charisme. Oh là là, ça coûte tellement cher, par contre. Absurde. Absurde. Pour tout ce qui est tir-fer et up, le reste vaut pas le coup. Ouais, non, je sais bien, c'est juste que, voilà. Mais le cultivateur, indispensable. Hein. C'est comme la houe. Je sais pas où j'ai laissé ma houe, d'ailleurs. Est-ce que j'ai foutu une Mahou? Voilà. Ah. Toujours la galère de bois un peu, hein. Et donc ça marche.
là. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah! Moi qui m'étais fait chier à faire des belles tranchées. J'ai plus de... D'accord. Très bien. Peut-être. Rien n'est moins sûr. Ils pousseront pas, ils ont viré de couleur. Merde alors. Bon, dans le tas, il y en a quelques-uns qui vont pousser. Moi, c'est ce que je remarque. Ça compte, hein. Ça compte. Good enough. Tant que mes carottes survivent. Mes carottes survivent. Très bien. Ils n'ont pas assez de place. Moi, on bat les couilles. Allez. Ensuite. Alors, voyager léger. Voyager léger, voyager intelligent surtout. Pas besoin de mes flèches d'oxydienne. Ça me paraît excessif. On va se contenter des flèches enflammées et des flèches normales. Le bréchet, pareil, on va le poser. J'ai pas besoin de boupe. La lance, on la reprend. D'ailleurs, la lance, on va remplacer ça par la masse. Je crois que la lance est fragile, hein, j'ai l'impression. Et ben, je vais garder mes outils parce que je les aime bien. On pose les plumes là. Là, on a de quoi faire le fameux portail, parce que ça nécessite ça, plus ça, et quoi d'autre? Ah oui, les cœurs de Surtling, mais ça, on compte sur le fait de les trouver.
Il nous faut trois types de nourriture. Pour ça, il faut qu'on soit bien. Pour qu'on soit bien, il nous faut un feu de camp et du bois. Problème du bois, j'en ai plus. Il faudrait que j'en coupe. Ah, quelle angoisse. Pas assez de bois, très bien. Ces cochons pourraient faire un enclos idéal, mais... Perso, je ne suis pas Benzou, je m'en bats les couilles. Bouc. Les cochons vont manger tes carottes, c'est vrai? Une boîte là, un stack, il m'intéresse. Très bien. Mais oui! Mais oui, il défonce mon matos, c'est... Ah, ils ont bouffé mes carottes, c'était pas une info de chat. Bon, c'est pas très grave. On en trouvera d'autres, on en trouvera d'autres. De toute façon, on les trouve 3 par 3 dans la forêt, donc... C'est pas comme si c'était une ressource difficile ou compliquée à obtenir. Alors, pas m'offusquer pour si peu. Très bien, on plante ça, ça, on va poser ça, ça c'est du bois, ça c'est un peu de résine qu'on peut reposer parce qu'on s'en bat les couilles. Très bien, pack pack, ça c'est la première bouffe, ça c'est la deuxième bouffe, mais justement pour la faire cuire, je vais avoir besoin d'un processus de production. À moins que j'ai une troisième bouffe qui serait plus efficace. Non, j'ai une base, mais ça ne sert à rien, et j'ai tout le reste, mais ça ne sert à rien. Ok. Donc il me faut. Feu. Voilà. Là, ça produit. Installe des torches, la lumière fait peur aux cochons. C'est trop tard, c'est trop tard. Meanwhile. Ah. J'ai l'impression de regarder une pub YouTube, genre pour Day of Survival ou des trucs comme ça, tu sais. Quand les mecs ils rushent dans un champ, ils font deux petits trucs et il y a genre 1 milliard de patates qui s'accumulent. State of Survival. J'ai recréé le jeu. Oseille. Mes trois bouffes. Point, 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 point. Ok. Nous sommes donc prêts à partir à l'aventure, compagnon. Pour ça, repos d'abord. Ouh.
Confort 4. Je sais pas vraiment comment l'augmenter, mais... Oiseau. Ah, dommage. Dommage. Mouk. Quand même, la quantité de charbon que ça bouffe, hein. Elle est quand même fou, hein. Il manque un peu de bois précieux, mais ça devrait pas être un souci à trouver sur la route. Ainsi que des cœurs de sorting, ce sera ça le problème principal. Ah, ok. Marais. Go. Je vous demanderai ton confort avec des meubles. Tu peux le faire en bois précieux. Ah. Rêve-je ? Une seconde. Mais oui. Bonjour. S'y fait. Je peux pas le passer sous les jambes. Par contre, ça, c'est dégueulasse. Esquive du caillou. Oh non, mon gameplay. Oh non. Par contre, easy wood. Hein. Bah alors ah. Il est pas mort, hein. Taïo ! Punch ! It's super effective. Bap. Zap. Avant de partir à l'aventure, elle a créé des cryptes, Bob. Ah, c'est vrai. Mais le problème, c'est que... Ouais, bon. Ah non, vous marquez un point.
Voilà. Disais-je donc avant d'avoir été interrompu. Let's go! Voilà. Yahoo! Et par tes armes, Bob. Chier. Là. Yahoo! Et merde. Mouillé. Et la clé, Bob. Merde, la clé. Je vais pas trouver un endroit avec des cryptes. Les cryptes, c'est niveau fer. Moi, ce que je veux, c'est pas un marais. C'est un bois profond. Les clés de la crypte, c'est pas encore là. Moi, je veux juste des catacombes de squelettes nuls. Avec des pierres de Surtling. Pas compliqué. Voilà. On sait pas casser les couilles. Voilà. Il va rencontrer le serpent de mer, ça va lui faire tout drôle. On l'a rencontré deux fois, ton serpent de mer. T'sais quoi, c'était de la merde. Déjà, il est plus petit que ma bite. Et ensuite, il est plus lent que ta bicoque. Qu'est-ce que tu veux craindre? Qu'est-ce que tu crains quand ton bateau il va... Oh lol. Voilà. C'était ni là l'objectif, hein. Ah bah, quand tu reviens au radeau, récupérer ton corps, il est plus gros que ta tub. Mais c'est parce que t'es un brainlet. Moi, j'ai amplement les ressources pour faire trois bateaux comme ça, si tu veux. J'y ai pensé. Et de plus, je meurs pas quand c'est important. Guide good. Parce que vous pouvez penser que je meurs plein de fois et que je joue de manière vachement imprudente. Mais c'est seulement quand mon point de respawn il est à côté. Le jeu essaie de me dissuader en me faisant perdre des points de compétence. Oh la belle affaire. Pour la différence que ça fait. Oh shit. C'est bon. La musique qui s'est arrêtée. Eh ben, cap tout droit. C'est quoi? Go for it. Je bouge plus. Ah, je suis bien. Sauf quand le vent, bien sûr. Sauf quand le vent le cuck comme ça, bien sûr. Ok. Oh là là là. Ah. Ça par contre c'est un problème.
Putain, cet océan de cyprine. Ah, je dérive. Et le vent a cessé de jouer en ma faveur. Eh, galère. Là. Certes, je me rapproche, mais au moins je me dirige toujours vers le sud. Ça s'appelle une tempête, Bob. Ça s'appelle l'océan. À quel point t'as vécu à Paris pour croire que deux vagues qui font ta taille, c'est une tempête? À quel point faut jamais être allé qu'à la Méditerranée, quoi? Oh mon Dieu, ça floque, floque. Ah, Timmy, la papier, vite, le drapeau rouge, oh mon Dieu. 3 cm de neige, fermez les écoles. Ah mais vraiment! Vraiment! Vraiment faut raser Paris, hein, dans Minecraft! L'enfer! Je veux dire, comparativement, Fanta, combien de fois au fur et à mesure des années, Fanta il annonce grosse tempête, arbre arraché chez moi, toit de la maison de la vieille en face arraché, 5 morts. Je vous aime, je fais des bisous, gloire à Dieu. Et pourtant, il vous paraissait stressé. Voilà! Gaffe, la Méditerranée, ça peut bouger. Ouais, ouais, quand le maître nageur, il décide de fermer le pédiluve. Putain, Méditerranée. Va, Mimizan. Là, on parle. Là, je me souviens avoir vu des vagues de bâtards qui faisaient la taille de mon daron et demi. Là, je me souviens m'être pris une vague en pleine tête et avoir fait une roue. Et mon père se foutait de ma gueule. Alors que de nos jours, attention, tu vas faire du roller, vite, tes protège-poignets. Moi, mon père, il me jetait dans la flotte. Alors qu'il y avait un vent de terre, si tu veux. Il me donnait une bouée. Il me donnait une bouée. À l'Atlantique par vent de terre, je savais pas lire. Et je sais que je savais pas lire parce que quand je voyais le mot bar dans la rue pour indiquer un bar, pour moi ça veut dire que c'est bien, les adultes ils vont s'arrêter, je vais pouvoir demander un coca. Donc je savais que ça voulait dire bar, tu vois. Mais je savais pas lire. Et le soir même, il y a des moules. Et les moules frites, c'est bon. Sauf quand les moules qu'on donne pour le petit, elles sont saucées au vin blanc. Et puis saucées au vin blanc en mode Gérard Depardieu, si tu veux. Donc toi, à 6 ans et demi le lendemain, t'es dans la voiture sur le chemin du retour et tu vomis ta race dans le seau en forme de château fort que t'as utilisé la veille pour faire des pâtés.
jamais eu la plus grosse cuite de ma vie. Je m'en souviens. Je me souviens, en plus, la voiture, il y avait une odeur, ça me donnait envie de dégueuler. Ah là là. Mais je regrette tellement pas. C'était tellement bon. Parce que vous allez dire, quoi, mais tu t'es bourré avec des moules au vin blanc, mais c'est quoi ta constitution? Déjà, j'avais 6 ans et demi. Et ensuite, c'est pas les moules au vin blanc qui m'ont posé problème. Parce que les moules, ça va, tu vois, tu manges les moules, c'est cool. Mais derrière, les parents, ils m'ont donné du pain. Et qu'est-ce que tu fais avec la sauce? Bah, tu sauces le pain. Et donc, tu donnes 2 grands verres de vin à un gamin avec un quignon de pain, si tu veux. Et il se le descend. Pour le lendemain, faire des vomis en forme de pâté de maison. Enfin, en forme de pâté de château, tu vois. C'est parce que c'était les sauts spéciales. Les sauts qui ressemblaient déjà à des châteaux. Et ça, c'est classe. Ça, c'était les sauts de riches, ça. Toi, tu sais que ta famille, elle est vraiment riche quand ils t'achètent un sceau qui ressemble déjà à un château. Et pas juste un son de roux, un sceau de rond, un sceau rond tout merdique, là. Et tu sais que tu fais partie de l'élite, c'est-à-dire que t'es dans les ultra riches, et ça, j'avais pas ça, quand t'as un moulin. Vous savez, les petits moulins à eau, comme ça. Quand tu peux te permettre d'amener un sceau en forme de moulin à la plage, c'est que... c'est qu'il y a un ordre social établi qui est fixe, tu vois. Avec les créneaux et tout. Ouais, j'en avais un. Ah bah voilà, les vrais riches dans le chat. T'es en train de nous dire qu'ils ont mis le vin blanc après avoir cuit les moules. J'avais 6 ans, donc mes souvenirs sont inexacts. Mais le souvenir de moi qui gerbe dans la bagnole, moi-même et mes parents, on s'est successivement foutu de ma gueule pour ça. Même moi, je me foutais de ma gueule pour ça. J'ai pas eu ça, mes filles, si c'est l'ascenseur social, félicitations. Ça veut dire que t'as offert un meilleur avenir à tes filles que toi t'as eu, si tu veux. Ça, c'est glorieux. Là, c'est honorable. Là, on aime. Alors, il prend du dégât s'il reste sur place ou c'est de la merde? Il a l'air de tenir. Il a l'air d'être heureux. Bon. Ah. Eh ben, ramenez-vous. Ah bah parfait. Mais bon, grosse vague. Hein. Non, parce que voilà, il est important dans la vie d'arrêter d'être un fifrelin à un moment, si tu veux.
Plus de bois déjà? Putain, ça tombe tellement vite. Alors? Mais c'est pas vrai! Oula. Mais foutez-moi la paix. Bon, tant pis. Quelle armée de fifrelins, c'est pas vrai ça. Voilà. Très bien, des schtroumpfoises, pourquoi pas. À quelle distance on est? Mais on est juste à côté! C'est parfait ça! Idéal en vrai. Attends un peu. Allez! Oh, je suis humide, j'ai froid, je suis fatigué, tu m'étonnes aussi. Putain, je croyais que mon bateau s'était barré. J'avais pas reconnu l'endroit. J'étais là, lol, mon bateau il est parti trop loin. Eh bien, oui, allez-y. Oh. Ah voilà, j'ai perdu le debuff froid. Voilà, messieurs. Voilà. Merci. Bateau s'arrête si tu sors du bateau, c'est une bonne chose. Ah. Even in numbers, the weakling is a weakling still. Nezumi, voilà, Nezumi. Même des souris restent une souris. Voilà.
Ça donne un genre. Là et là. Voilà. Très bien, ça compte. Voilà, comfy, comfy, comfy. Alors pas de bois précieux, pas de cœur de circling, mais un point de réapparition, ainsi que le bateau. J'ai du bois précieux, mais j'ai pas de cœur de circling. Sans cœur de circling, il n'y a pas de portail. Sans portail, il n'y a pas de moyen de revenir à la maison efficacement. Donc l'objectif, avant même de tenter d'affronter Konar-sama. Là, c'est d'attendre la forme, si tu veux. Ok, la forme revient pas. Très bien. Mais il manque du bois précieux, il n'y en a pas en forêt noire. Bon, c'est pas un problème ça. C'est un faux problème. Pourquoi mon feu s'éteint ? Quelle merde! Et là! Ça marche peut-être?
Est-ce que c'est Benzaï qui avait raison? Sans doute. C'est 8 minutes le buff quand t'assois, Bob. Ok, bon, tant pis. Eh ben, allons-y. Objectif, trouver des cryptes. Il y avait des squelettes qui poursuivaient un d'un pas loin sur la droite, là-bas. Donc, doit sans doute y avoir. Avant que j'oublie. Y'a rien, très bien. En vrai, j'aurais plus de chances de les trouver en restant près de la plage, je pense. Donc on va longer. Ouch. Un tertre, ça? Non, c'est juste un rocher. Hey, champignons, des schtroumpfboises, c'est toujours bien. Boui. Boui. Ah. Un tertre, enfin. Quand même. Que molestation. Très bien. Ça moleste. Et là, il y a une belle montagne. Oh. Mais peu d'intérêt. Ce qu'on veut, c'est de la plaine. Pas de la plaine, pardon. Juste de la prairie. Pas grand chose, mais... Là. Parfait. Alors... Ah, et maintenant qu'en plus j'ai la capuche à lumière, ça va être d'autant plus facile. Je faisais ça dans le noir avant. Bonjour. Ah oui, c'est fait delete.
Hello. Hello. Ooh. Oh. Qu'émotion, qu'émotion. Juteux, juteux, juteux. Hello. Mais bon, on le savait, ça. Bonjour, bonjour. Oh, du fric. Hello. Victory. Et ben petit donjon, que deux pierres de circling. Me voilà corrigé. Parfait. Putain. Ben c'est parfait ça. C'est très bien ça. Parfait. Oh. Ouch. Ouah, ça stun ça stun l'archer quand tu bloques sa flèche. L'archer là, oh god, oh non. Y'a rien en haut. Y'a rien en haut, ok. C'est racaille. Oh non, mon caillou, ah. Quieres esta poder? Non. Voilà. Pere 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 pep pep pa 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 pa. Ah, fine. Ah putain, m'a fait super mal. J'ai pas touché. Oh là là.
Ah oui, ça fait super mal. En fait, c'est surtout que je suis pas en terrain plat, en fait. Donc on va se mettre bien. Là, voilà. Voilà. Bouc. Qu'est-ce qui est remplaçable? Et pas le champignon rouge, j'en ai des stacks et des stacks. L'argent. Voilà. J'aimerais bien un deuxième tertre là, j'ai pas assez de cœur de surtling à mon goût, je vais être sincère. Pas été assez saucé là. Et ma bouffe s'arrête là. Mais pourquoi tu... Mais quand même. Putain, la panique. Alors. Putain. Le problème, c'est ce gros porc. Ok. Merde, ça rate. Voilà, déjà j'en ai buté deux. Thank you.
Là. Ouh. Also. Ah, oiseau. Eh ben. Alors. Voilà. Cuckhead. Bien. Oui, bah non, en fait. Voilà. Ventre Saint-Gris. Hein. Par contre, apparemment, pas de plaine ici. Là, il y a de la montagne, là, il y a que de la forêt et pas de plaine. Je suis assez, alors à moitié déçu et à moitié problématisé, si tu veux. Mais enfin. Partons au nord, qui sait avec de la chance. Un tertre ! Quelle chance ! Go. Oh, Zarma, quel Zermi! Bah merde alors. Pen 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 p
Ah, j'ai plus la place d'avoir des ombres. Lol. Oh, tant pis. Non. Voilà. Oh. Omoshiro Jotaro. Omoshiro. Merde, bien joué. Il faut combien de graines pour invoquer Big Mama ? Big Daddy Strum ? 3 ! Merde, avec 2. L'idéal serait d'affronter un troisième de ces gros sacs à merde aux yeux rouges, mais... Facile. Ping, pam 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 point 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 point
point, 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 point. Ah ah. Les brutes donnent régulièrement de ces graines aussi, Bob. Je sais, mais j'en ai pas trouvé, là. C'est pour ça que je suis déçu, parce que je pensais que... J'ai vu un morceau de violet là-bas, donc je pense qu'il y a un, il y a un, il y a un spawn. Persuadé d'avoir vu du violet par là-bas. J'ai peut-être rêvé, mais... Mais je pense que non. Ouh, du rouge! Pouf. Molestation. Ah, il a rien de... Dommage. Point, 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 point. Ah, c'est bien ça. Point, 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 point. Ouah! Pourquoi je peux pas sortir mes armes? Ok. Pourquoi il y avait un piège? Ah, c'est les abeilles. D'accord. Super, et ça drop. Bon. Et là, il y a des abeilles, tout s'explique. Quelque part, j'aurais pas de meilleure opportunité. Et bah quelque part, je suis bien nourri là, j'ai mon point de spawn, j'ai quelques flèches, ma lance et mon bouclier sont en bon état, j'ai pas de moyen de faire de portail. Donc j'ai envie de dire, braves gens, que j'aurais pas de meilleure opportunité en fait de tuer... De tuer le deuxième champion à moi tout seul. Bien sûr, pour ça, faut être reposé. Et bien sûr, je vais vider mon merdier, tu vois. Mais en plus, regarde, le jour se lève. Non, vraiment, c'est l'occasion rêvée. L'occasion rêvée de mettre ce petit fils de salope à l'amende. Ah vrai. Je reconnais ne pas aimer ne pas être fan de la musique de Valheim. Hein. Benzaï la vend à l'infini, mais elle est discrète, elle fait le taf, mais vraiment rien de plus, tu vois. Ce bateau pirate.
Très bien. Vous s'interposez confort max. Ok, bah... Let's go. Terrain est pas optimum, hein. Ça, ça me dérange. Et ça va me déranger, c'est sûr. Voilà. On vire d'avance. Everything else I can work with. Ok. Alors déjà, réglons leur velléité avant qu'ils nous posent plus de problèmes, si tu veux. Là. Ok. 9 minutes. On espère que ce sera suffisant. Je suis éveillé. Ah putain, je rate ma première flèche déjà. Bien joué ça. Je sais même pas si je le touche en vrai. Mais tu viens chercher un peu la merde ou... Ok. Ah merde. Faut changer de région là. Allez, viens. Ouch. Là. Have a night, have a night. Bonjour.
Putain, j'ai fait que courir contre cette saloperie. Pas grave, je suis safe. Intéressant ça. Ouch. Ah, trop tôt. Eh, ça m'habille, je fais le grand tour surtout. Merde. Ah, une flèche de feu, tant pis. Colido Walida! C'est tout? Eh ben... Oh. Oh. Muy mochiro. Mucho interesting. Moult bois. Miam récolte. Ça m'aura pris 8 petites minutes, hein.
Ce qui manque dans Valheim, c'est les pièges quand même. Parfait. Mais non, je suis con. Elles étaient là! Adieu, petite cabane Cockshed. Tu fus une très bonne cabane. Et nous partons à l'aventure vers d'autres océans et terrains. Non, le bas au bateau, il est full life, regarde ça. Et écoute, prochain objectif, c'est quoi? C'est les marées, c'est ça? Eh ben, allons-y directement. On a le vent dans le dos, là, on profite. Il te faut la clé, par contre. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Il y a un grand tronc d'arbre dans le ciel. Alors il a un tronc, le grand arbre dans le ciel. Techniquement, il faut savoir que chaque monde est lié à une des racines d'Yggdrasil. Normalement, t'es pas censé voir Yggdrasil dans la légende nordique. Si tu vois Yggdrasil, c'est que t'es sur le plan où il y a tous les mondes en fait. T'es pas censé être là, ouais. Oh non! Bordel! Mais quel bordel! Ah! Que destruction! Putain, mettre la poubelle demain. Ah non, mais tout est vide!
Ah. Bah. Ok. C'est garé. Alors, question du coup, par contre, c'est où est-ce qu'on trouve des marais ? Bon. Mais gracieux fils de pute. Merde, ce vent qui a changé de sens, ce vent traître! Voilà. Ah, et aujourd'hui j'ai eu une excellente nouvelle, brave Jean. Excusez-moi, je vous en profite pour vous en parler. Ma SR, c'est-à-dire la secrétaire de rédaction, c'est-à-dire les gens qui corrigent. Quand tu vires de bord, t'as pas une sorte de petit dash-bouche? Non, j'en sais rien. Les gens qui corrigent, tu sais, les manuscrits.
est en train donc de corriger l'acte 1. Et elle s'éclate. Elle a dit, putain, c'est vraiment l'ambiance des Monkey Island de mon enfance, quoi. Et moi, j'étais là, bah, c'est pas un truc de pirate. Et elle a fait, non, pas du tout, mais c'était ce que je voulais dire, enfin, dans l'ambiance. Moi, j'étais à l'humour, les personnages, ouais, on est vachement vite dans l'histoire, on est investi, on veut savoir ce qui se passe, enfin... On s'embête pas avec les détails, on avance, on rigole, c'est génial. Moi, j'étais, mais c'est fantastique. Et elle dit ça en ayant fait un Billy prudent. Il est pas peuplé de zombards ce village là? Ouh, heureusement que j'ai fait le virage là. Hein, non, il est peuplé de nains gris. Ça reste un beau village. Il y a des choses dedans à votre avis qui valent la peine? Écoute, ça vaut la peine qu'on s'y arrête. Bonjour. Ah oui, il y a des zombies. Ah. Les zombies. Aïe. Par contre, oui, je suis mal nourri, donc je suis en danger de mort, en fait. Voilà, c'est mieux que rien. Book. Stun. Ouch. Font vachement mal, ouais. Je vais devoir me planquer pendant un instant. Ce n'est pas de bois? Non, tout est dans le bateau. Je vois. En plus, il droppe des trucs intéressants, ce serait dommage. C'est juste une question de temps. Ouch. Book. Ça va finir. Hein. Question de temps. Tu vas finir par craquer, hein. Attention. Oh, les esquives parfaites. Là. Eh ben ouais, en voilà du bois. Oiseau. Ouh.
C'était pas une si mauvaise idée la dernière fois, donc on va faire ça. Hein. On répare peut-être celle qui est en face, elle est en meilleur état, ouais. Ah. Ouais, c'est pas sécurisé. Là. Pas dormir pour l'instant? Parce que le matin vient de se lever. Oh. Fine. Alors. Aha. Problème c'est qu'il... Bon, problème c'est qu'il pleut. Ouch. Moi je suis en train de regarder le décor et lui faire « Elle est un imbécile !» Cette flèche. Mais très bien. Bon. Thank you.
Oula. Là, enfin. Ah, j'avais plus assez d'endu. Cette gifle. En fait, la pluie qui me mouille me donne tellement un malus à l'endurance, c'est absurde. D'ailleurs, c'est absurde hein, que ça donne un tel malus d'endurance la flotte, quoi. Ça fait pas de sens. Hein. Bah alors, pourquoi j'ai pas tout récupéré? Pourquoi j'ai pas récupéré mon cadavre comme dans n'importe quel jeu? D'accord. D'accord, parce que j'ai récupéré des items. D'accord, tout s'explique. Voilà. Et là, du coup, prendre tout. Vous êtes encombré. Ah bah oui, forcément. Là. Là. Non, mais ça a dégoûté. Dégoûté de ce qui vient de se passer, écœuré. Allez! Ok. Honnêtement, je pense bientôt installer un mode qui multiplie par 3 la régène d'endu. Hein, parce que c'est en fait, ça n'apporte rien au jeu. Sinon que devoir attendre pour rien constamment, si tu veux. Donc, enfin, ah, il y a Benzaï! Il est où? Tu veux continuer à 1000? Putain, j'avais pas vu! Mais oui, avec plaisir! Avec plaisir! Laisse-moi juste me dispatcher ce gros lard là. Il m'a raté en plus. Là! Voilà! Et un trophée de drogueur, on sait même pas à quoi ça sert. Fantastique. Du coup, ici, c'est chez moi!
Alors, je veux bien rejoindre Ben. Il faut juste m'accorder... comment dire, 10 minutes. J'ai même pas posé la tête du titan, si tu veux. Le mec, il en a plus rien à foutre. Là, voilà. Ok. Attention. YOLO SLURP! Putain! L'aspi! Ouh! Eh ben ça suce, hein. Et là-dedans, j'imagine, c'est la même merde. Ouais, c'est la même merde. Bon, et ben ça attendra. J'ai toujours pas de cailloux. On me tire dessus. Non, c'est bon. Toujours pas de cailloux. 3, un autre et une cinquième. Très bien. Eh bien, écoute, Ben, passe. Passe sur Discord. Si jamais il est toujours là. Là. Bah tant pis. Normalement le feu part par le toit là. Voilà. Très bien. Bon, clairement la toiture faut la refaire. Il y a un souci de... Voilà. Voilà, juste la petite ouverture qui va bien. Tout le reste est délabré, mais attendra. Honnêtement, on a amplement le temps et la situation qu'il faut. Voilà, accessoirement, on va poser son petit portail aussi. Alors, portail, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le bois précieux, cœur de circling et table de fabrication. Je crois que j'ai tout posé et que les cœurs de circling sont dans le... Comment ça s'appelle? Bois précieux, j'en ai un. Pourquoi j'en ai un? Je sais même pas pourquoi j'en ai un. Inventaire est plein, tiens-moi ça. La table de fabrication, il faut, ok. Il a lancé Valheim, très bien. Il est déjà sur Discord, il a même mis son casque. Putain, mais il envoie pas de messages aussi. Si? Ah si, il a envoyé tous les messages du monde. Merde, c'est moi qui suis un connard. What? Je me suis trompé d'HLM. C'est bon. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur, putain. Oui, allô. Ah oui, oui, bonjour. Mes excuses, oui. J'étais en train j'étais en train de réinvestir le même genre de place forte qu'on avait nous-mêmes investi dans Valheim. T'en as trouvé une en solo? Oui, parce que je viens de buter en fait le trophée de l'aîné et je suis même pas rentré à la maison. J'étais parti pour aller tuer le deuxième, tu vois. Moi, je
Ah oui, j'étais... Donc je cherchais, oui bien sûr, je cherche désespérément un marais. Et là du coup j'ai eu de la chance parce que je viens de pouvoir m'installer confortablement et surtout trouver de quoi poser mon portail enfin. Ce qui fait que maintenant je pourrais rentrer à la maison, reposer, mettre tous les machins. Nice. Alors ce que t'as pas eu par contre sur le stream, ce qui était marrant, c'est que il y a, tu sais, les deux maisons longues, la maison longue qu'on avait investie, il y en a deux dans le petit village et il y en a une que j'ai pas vidée. Et du coup, en fait, en panique, j'ai ouvert la porte, je rentre à l'intérieur de la baraque et là, il y a 50 zombies qui te regardent. Et je suis pardon, je suis trompé d'appartement, excusez-moi, c'était pas le bon étage. Pardon, monsieur, continuez, je vous en prie, faites pas attention à ce que je fais. Alors, je lance le serveur. J'ai aussi mis le portail à l'envers, ce qui fait qu'à chaque fois que je le prends, je tombe à la haut. Ah, mais ça, c'est magnifique. Ça, c'est fantastique. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Ça, c'est garanti. Ouais. C'est... garanti. Imbloquable. C'est ça qui marche le mieux. Hein. Alors attends, je lance le serveur, j'arrive. Si tu savais, je te passe la bonne nouvelle. Si tu savais comme je suis heureux, la SR, c'est-à-dire la secrétaire de rédaction, c'est-à-dire la femme qui est censée corriger absolument toutes les horreurs que j'ai fait, a lu le manuscrit et elle s'éclate. Elle a même fait un Billy. Elle me connaissait pas avant. Hein. Je lui ai demandé, mais t'es pas fan de Bob Lennon, rassure-moi. Elle fait ah non, pas du tout. Je sais pas du tout quitter. Je suis parfait. C'est marrant. C'est parfait. Tu vois, c'est l'idéal. Non, effectivement, ça c'est cool. Franchement, tu vas être bien content. Et, Et le fait que voilà, elle me dit putain, je me suis. C'est la première fois que je. Ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé en travaillant, en corrigeant un truc. Elle était là, c'est vraiment l'ambiance Monkey Island, si tu veux. Moi j'étais là, putain, tout gagné. Ah, cool. Et quand je lui ai demandé quel Monkey Island, elle m'a dit le 3. Moi j'étais là, mais. Putain, incroyable. J'ai tout gagné. Moi j'en pouvais plus. Hein. Meilleur compliment. Alors attends, je t'invite dans le lobby. Oui. Alors attends, moi je finis de ranger mon merdier en fait. Putain, je vois mes potes qui sont encore en train de jouer à Valheim. En gros, je suis en retard parce qu'on était en train de jouer à Valheim et on a essayé d'explorer au fond de la map. Genre aux confins de l'univers. Tout au bout de l'univers de la planète là. Ouais. Je te spoil pas ce qu'il y a, mais c'est très raccord. Bah, le bord du monde, très probablement. Moi je dis rien. Mon père. D'accord. Tu verras. Ou le Léviathan, si jamais il entoure la planète, ça ferait du sens. Mais je spécule. Les saucisses. Est-ce qu'il y a des ressources que tu veux que je ramène? De l'argent. Ah, de l'argent. Du minerai d'argent, mais, d'accord. Mais bon, si, la dernière fois j'étais parti avec mon pécule, je peux bien. Bah, si tu veux qu'on te fasse des... J'ai 4 barres. Non, pardon, non, j'ai rien dit, j'ai 13 barres d'argent. 13 barres. Putain, mais les poules, c'est l'orgie. On va pouvoir faire un casque en Drake, ah oui. En fait, là, j'avais toute ma forge qui était en route, là. Le problème de casque en Drake, c'est pas que... Enfin, c'est que tu vas perdre la loupiote, non? Exactement. Aïe. Mon cher Thierry, eh oui. Bon, après, si l'un de nous deux là. Et puis, le bonus de protection est tellement absurde qu'il te permettra de tanker genre de face. Si tu gagnes 20 de classe d'armure, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça. J'y vois rien, mais plus personne peut me faire du mal, donc. Je m'en bats les couilles, tout va bien. Ok, 13 lingots d'argent pour madame. Et le trophée de l'aîné, il faudra que j'aille le poser. J'espère que toi t'as de la bouffe variée et variable parce que ça j'avoue c'est toujours mon point faible. J'ai toujours pas de tonneau ou Ah oui d'accord, tu fais vraiment le bivouac, le camping, la nature. Non, je suis bien installé. Oh putain, effectivement je l'ai tellement mis à l'envers ce portail. Si je le casse ça me rend tout, hein, on est d'accord. Oui, le portail oui. Ouais d'accord. Il y a très peu de choses qui te rendent pas tout mais le portail oui. C'est sûr, c'est une valeur sûre. Ok, Dieu merci hein. Du recyclage et du bivouac aux confins de... J'ai encore, en plus, 60 argent à forger. Alors, j'allais dans ma deuxième base pour finir de ramener tout le merdier, sauf que j'ai l'argent sur moi, et au moment où le portail il a fait... Je suis passé au travers et tombé à la flotte. Vous avez de l'argent sur vous. Et merde. Je me suis fait unilatéralement cuquer là, j'avoue. Putain, même les affaires de Bob Lennon, le coffre est trop plein quoi. Va falloir vider, ranger votre chambre. Et il va falloir qu'on range. Hein. Il va falloir qu'on range. C'est sûr. Ça te fait peur. L'obsidienne. Oui, non. Pourtant, j'ai le manga de Marie Kondo qui apprend à ranger tout en s'amusant là. Ah, sans déconner, Anaïs m'a montré les émissions et tout.
Alors, tu sais, sans juger sur les personnes et tout le merdier qui a pu les amener là, ouais. Notamment épisode 2 au couple auquel ça nous fait penser, si tu veux, tu critiques pas dans ta tête, t'es là, bon bah. Non, mais ouais. Voilà quoi. Alors, le seul truc par contre qui me gave, c'est les Américains. C'est les Américains en fait. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, à chaque fois que Marie elle revient, genre tous les deux jours, tu vois. Hi, hello, how are you right there? Mais fermez vos gueules, serrez-lui la main, dites bonjour et amenez-la dans le salon, donnez-lui un thé. Mais arrêtez de couiner comme des chiennasses, c'est pas possible, ça me rend fou. Ça c'est l'américaine ça. Enfin, ouais, mais ça me rend fou, ça psychologiquement ça me rend malade, tu vois. Autant je trouve que les Russes ils sont trop sobres. Tu vois, ils hochent la tête puis ils entrent, tu vois. Autant je trouve qu'il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Non, mais ça, les Ricains, ils en font des caisses. C'est incroyable, c'est tellement faux, quoi. Ouais, c'est méga fake. Mais ça, c'est comme ça, c'est leur modalité de politesse. Plutôt que. Tu vois, par exemple, au Japon, t'as genre tout un tas de formules que les gens vont te sortir en n'en pensant pas la moitié. Oui, bien sûr. Et aux États-Unis, c'est genre de dire des oh my gosh, oh my god. Oui, oh. Mais le truc, c'est qu'au Japon, en fait. Personne le pense, mais tout le monde sait que personne le pense. Mais c'est simplement la politesse. C'est-à-dire que c'est comme si t'étais en Égypte et que tu te ramènes devant le pharaon. Le pharaon, c'est un gars normal. Enfin, c'est pas un gars normal, mais il sait que tu vas devoir faire la petite danse. Il sait que tu le penses pas, oui. Au fond, que tu fais juste la petite danse. Mais tu la fais quand même, parce qu'il y a un respect, parce que c'est un dieu vivant, parce que c'est le pharaon, parce que voilà. Et si le pharaon, il se sent de te dire « Bon, bah maintenant, assieds-toi, on prend un thé », c'est sa prérogative de te le dire. Et de te laisser faire la danse d'abord. Ou pas, tu vois, c'est son choix le plus strict. Ou la reine d'Angleterre. Voilà, il y a un respect, tu vois ce que dire, il y a un respect. Si la reine d'Angleterre te dit, bon bah assieds-toi et tutoie-moi, tu fais, bon bah tu t'assois et tu la tutoies si tu veux, il n'y a pas de souci. C'est juste que, merde, même un pégu comme moi, et pourtant Dieu sait que la ferme, mon gars, c'est que, voilà, il y a un respect, il y a un respect. Parce que si tu commences pas par le respecter, comment tu veux qu'il le respecte? Et lui, il peut te couper la tête si tu veux, donc... Tu peux m'apporter du... Si t'as du bois, je serai chaud. Bien sûr. Putain, les ressources bois, basiques. Ah ouais, non, mais en fait, c'est que genre j'ai plus de charbon, j'ai plus de bois. Attends. Je vais t'apporter tous mes chardons et mes entrailles. On va pouvoir faire plein de saucisses. Qu'est-ce qu'il faut d'autre quand tu fais des... Chardons, champignons, viande pas cuite, enfin viande crue. Ouais, d'accord, ça j'en ai pas beaucoup, mais c'est pas... Chardons, champignons rouges, carottes... myrtille, champignons rouges, je vais pouvoir te saucer à l'infini. Champignons jaunes, je vais en apporter la moitié. Quoi, champignons jaunes, t'es bien ou pas? Non, j'en ai un, je crois. Bon, bah, oh putain, mais quelle misère! on va foutre. Là, je suis dans la forge, donc là, c'est la boucle. Hein. Est-ce que t'as des schtroumpfoises rouges? Je dois en avoir très peu. J'ai fait quelques confitures. Dis-moi, parce que j'ai 40 schtroumpfoises bleues. Oh putain. Les stacks. Ramène de toute façon. Je ramène tout. Je ramène la viande aussi. Enfin, le comment ça s'appelle. Voilà. Ah, il faut pas que j'oublie l'or. Et le bois. Mais j'ai pas assez de place pour tout ramener. Ramène du bois. Comme ça, on peut forger déjà. Parce que c'est quand même le principal. On peut faire des Est-ce que si on a une clé des cryptes à deux, ça marche? Oui, une seule pour deux, ça suffit. D'accord, Dieu merci. Pas besoin d'amener la mienne, parce que sinon, quel enfer. Écoute, je vais faire mon petit casque en Drake en attendant. Ouais, vas-y, sauce-toi. On va flexer pour un début de VOD. Putain, alors attends, il faut que je pose ce trophée de drogue élite. C'est ça, hein. Oh putain, le casque en Drake. Est-ce que tu voudras plus d'abeilles? On en a jamais assez pour faire de l'hydromel. Non, parce que voilà. Non, mais en fait, sinon, je dis ça, mais j'ai pas la place. Donc. Bois robuste, tu t'en fous? Non, bois normal. Pourquoi j'ai pas le casque en... Pourquoi il voit pas le casque en Drake? C'est n'importe quoi, ça. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui, ça c'était à la forge, putain. Bien sûr. Bon, bah je vais me ramener avec zéro bouffe, mais au moins... Des plumes? Non, on s'en fout. Les plumes, ça va aller. Tout ça, je veux le vendre parce que c'est de l'argent gratuit. Les os, pourquoi j'ai des os? Quel enfer. Parce que j'en ai en trop. Ok, ça s'est posé. Ah putain, je suis encombré, chier. Mais c'est pas grave ça. Le bois solide, le bois robuste, on s'en fout? Ouais, ça par contre, c'est pas très important. Ça va, les couilles. Je vais quand même prendre mes flèches d'opsy parce que c'est toujours. Voilà. Le miel, on s'en fout. Base d'hydromel en duvant, j'en ai un, Mia.
J'adore la lueur de l'œuf là en trophée, c'est excellent quoi. J'ai de l'étain, j'ai du bronze, j'ai du cuivre, mais j'ai pas de fer encore, malheureusement. Je dois avoir un peu de fer. Est-ce que je prends le baboup? Ouais, je vais prendre le bréchet, on sait jamais. Ah ouais. Ouais, bien sûr. C'est garanti. Très bien. Vite, mettre mon point de spawn. Attends, je vais mettre les 50 plumes qui servent à rien. Quelques flèches d'avance. La lance là, elle est déjà level 2. Malheureusement, côté viande normale, j'en ai pas beaucoup. J'avais fait tout cuire. Tout va bien se passer. Ah, le bouclier en argent, c'est seulement 8 argent et 10 bois précieux. Et il passe à. Ah oui, j'ai même pas la. Ah oui, mais attends, mais c'est que là, il va falloir qu'on parle parce que, genre, j'ai même pas mon armure de loup là, je suis en armure de fer. Je suis encore en armure de bronze. Oui, ouais. Toi t'es vraiment pigeon. Moi je suis un chevalier. Ouais, mais je suis un chevalier de bronze jusqu'au bout si tu veux. Exactement, hein, c'est, ouais, c'est vrai. C'est le Neketsu. Ah, faut pas que je mange les schrumpfboises. Je claque un champignon pour un minimum d'endu. Putain, okay. On a vraiment plus de charbon, hein. C'est vraiment la misère. Mais attends, j'ai plein de bois en plus dans mon truc. Attends, je mets une pause. Voilà. Pose le bois là. Où est le bateau? Où est mon bateau? Ah, il est là-bas, c'est vrai. Là, t'es sur ton serveur encore. T'es ouais, ouais, tout à fait. Je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir par le téléporteur et le lingot en argent. toujours, hein. Éternel. Merci pour tout, Fleur. Alors, un bas de dictateur. Bon, j'en profite pour dormir avec tes histoires. Mais putain, il faudrait vraiment que je. Attends, je vais venir avec. Un chariot est arrivé plein de ressources. Ça va bien se passer. Ok. Oui, oui, pas de problème, les amis. On n'oubliera pas, si on se fait le bouclier en argent, de lui mettre le bon style qui va bien. Hein. Oui. Le bouclier no skin, c'est vraiment dégueulasse. Quoi. Ah, et si tu fais un slip pour Bob Lennon, pense à. Voilà, pareil, oui. Made me. J'y mettrai beaucoup de style. Allez, j'ai toujours ton slip bison de Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, putain, mais tu sais que je le mets encore vachement le. Mais moi aussi, il est imbloquable, il est tellement confortable. Mais t'as trouvé un. Alors, attendez. Pour ceux qui se posent la question et qui sont en train de dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce que c'est. Voilà, bien sûr. En Nouvelle-Calédonie, Benzaï est allé dans un Leclerc, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et a trouvé en promotion des slips, genre des slips comme ça. Des calbutes. Des calbutes, pardon, des calbutes. Excuse-moi, des calbutes. Oui, parce que j'ai jamais porté de slip, donc pour moi slip c'est calbut, c'est normal. Mais bon, des calbutes, ouais. Des calbutes Street Fighter 4. Et dessus, il y a la tête de Monsieur Bison. C'est-à-dire, il y a la tête de oui, dictateur sur ce slip. C'est-à-dire, t'as la tête de dictateur sur le cul qui est là. Voilà. Ah non, mais ils sont fantastiques. Qui est là, Psycho Power, si tu veux. Et du coup, Benzaï, dans sa grande largesse, en a acheté deux et m'en a offert un séance tenante en mode tiens, Bob, je t'ai trouvé un slip Bison. Ouais, en plus, on avait rien pour se baigner, donc on allait se baigner avec ces trucs Street Fighter. À l'époque, j'étais en dépression, si tu veux, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou. Mais je le mets encore un max, hein, franchement. Mais moi aussi, hein, il est indestructible. Hein. Non, je le porte pas là, mais j'ai porté cette semaine le stress. Et je repensais justement au fait que on s'est baigné dans l'océan avec ça, quoi. Ouais, parce qu'on avait pas de maillot, mais en fait, il faut savoir qu'il a une texture, comment dire, très. Très maillot de bain en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est une grosse texture de maillot de bain. Donc en fait, c'est passé complètement et c'était pas du tout moule boule. Donc tout allait bien, tu vois. Mais lol quoi. C'est marrant. Tu me parles de ça parce que ouais, genre je le portais au courrier et je pensais à toi quand je mettais mon slip. Merci Glorexplay. Ah glorieux. Ah oui. Oh bravo. Du bois, les plumes, du bois. Ok. Et j'ai tout. Je peux me ramener. Alors par contre. Je vais me ramener, je vais être épuisé, il va falloir me décharger, mon cher Benzaï Story. T'inquiète, j'ai l'habitude. Alors, tu m'as invité à Valheim il y a environ 10 000 ans. C'est toujours le même mot de C'est toujours valide, ouais. C'est toujours valide. Allez, là j'ai 60 de bois. Bon, même si là j'annonce 4 heures du match, je vais au lit. Hein. Très bien, très bien. Non, non, mais. Voilà.
Non, parce qu'à un moment... La mission est moins urgente que hier. C'est ça, mais en fait, aujourd'hui, c'est entre guillemets mon jour de repos, mais j'ai envie d'avoir assez de sommeil aussi pour demain, m'en mettre à écrire. T'as tu sais, je sais pas si t'as vu le tweet avec... Ça fait un moment que j'ai pas fait une belle nuit. Ouais, par contre, grave. Le tweet avec Cell. Quand, oui, tu, oui. Passes, quand tu passes 8 heures de sommeil... c'est la forme parfaite, toi. C'est... Ça m'avait fait tellement rire. J'en avais trouvé un autre aussi où genre quand tu te réveilles 5 minutes avant ton réveil en fait. Et que t'es là, c'est donc ça le pouvoir de l'ultra instinct. Oui. Oh là là, mais il est là, incroyable. Ah oui, au secours. Ah, attends, je vais me chercher à boire et attends, prends le bois déjà. Oui, oui. Voilà, 100 de bois et attends, un peu plus, 125 de bois et 24 de bois précieux et voilà. Et bien sûr, les 13 lingots du chevalier d'argent. Alors, je n'ai plus de place. Et merde. Quel sac. Démarre-toi, je vais me chercher à boire. Vas-y. Je n'ai pas de... Mais attends, mais il y a un coffre à bois derrière. Il est rempli de merde et tout, sauf du bois, quoi. De l'orge, du machin. Nul à chier, ce coffre à bois, quoi. Pourquoi il y a 52 pierres, quoi. Oh ouais, mais excuse. Ah non, mais je te jure, je suis tellement de bonnes nouvelles avec cette ESR, quoi. Et qu'elle me dit, en plus, vous faites pas beaucoup de fautes, du coup, c'est presque une lecture, c'est agréable. C'est incroyable. Ah. Mais la fille, elle est waifu, en plus. Hein. Elle est waifoutière, hein. elle est Adeline chez Taïtière. Attention. Je vois ce que tu veux dire. Alors... Bloc. 699 pognon, il faut que je passe chez ton marchand parce que t'es le seul à connaître. En fait, t'es le seul à avoir un marchand que je connais. Oui, non, mais tu sais qu'avec mes potes là, on est allé à la limite du monde pour trouver le marchand, on l'a toujours pas trouvé. Mais par contre, je sais ce qu'il y a au bout du monde et c'est vraiment cool. Spoil pas. Ça vaut le coup. Glagla, alors attends. Je vais générer un coffre nul dans lequel je vais poster les ressources et ensuite on fera un rangement des coffres. C'est-à-dire, tu vas regarder cette tête de cerf et tu veux lui dire merci avant d'acheter. Merci, tu m'as porté beaucoup de joie. Je vais en manga, contre, le truc, mais c'est assez marrant. Il y a un manga. Par contre, rigole, ouais. mais quand elle en a parlé, il y en a que j'avais lu des reviews et tout, il y en a qui comprennent pas du tout. Et moi, je suis là, mais si, en fait, 100% si tu veux. C'est juste. En fait, Marie Kondo, c'est peut-être la seule japonaise métaphorienne que je connaisse. Ça fait du sens. Je sais ce que tu veux dire. Ça fait du sens. Mais c'est assez cool, effectivement. Incroyable. C'est une émission qui te donne. Genre, tu sais, elle se ramène dans un énorme bordel, elle fait genre ah, c'est trop bien. Vous vivez comme des sacs, j'adore. Il y a beaucoup d'énergie qui se dégage de votre maison, tu sais, ça Mais ça fait partie de ces gens de la télé où t'as l'impression que quand ils rentrent chez eux, tout parfait, quoi, etc. Ah, par contre, oui, moi ça me fait marrer parce que tu. Moi, je sais pas si tu te souviens, mais la toute première émission avec la femme et le gars qui sont épuisés avec les deux enfants. Les deux enfants d'ailleurs, vachement éveillés, adorables, tu vois. Ils font un petit caprice de temps en temps, mais c'est pas la fin du monde, tu vois. Le couple est adorable. C'est ceux qui vivent à côté d'une pile de linge infinie. C'est là, ça, là. C'est ça. Et ils étaient. Non, c'est le deuxième, ça, c'est les petits vieux. Moi, je te parle du premier couple d'enfants et tout. Et tu sais, ils sont épuisés, mais c'est juste parce qu'ils ont jamais pu s'arrêter, en fait. Tu vois, ils ont jamais pu optimiser, ils ont toujours été pris dans le vortex. Et les gamins, par contre, éveillés, adorables, souriants, des amours, tu vois, tu te dis, putain, mais ces gamins, ils sont god tiers. Et t'as les gamins à Marie Kondo, là, t'as la gamine, qui est en train de peindre un Renoir, si tu veux. Genre... Mais c'est ça, c'est genre... Elle dégoûte un peu, quoi. C'est ça, genre, elle est en train de copier un Rembrandt. La gamine, elle a 3 ans et demi, elle a sa petite tête d'asiatique, tu sais, quand ils sont bébés, t'as l'impression qu'ils sont directement imposables. Les machins, ils ont pas les muscles pour sourire, si tu veux. Et Marie Kondo est là, non, mais avec ma fille, tout se passe bien, elle fait des caprices de temps en temps. Et toi, t'es là, ouais, en fait, non, mais en fait, tu leur dis qu'elle fait des caprices, mais c'est juste pour pas mettre ces espèces de gros porcs d'américains mal, en fait, que tu leur dis ça, parce qu'en vrai, ta gamine, elle file tellement droit. C'est sûr que les enfants de Marie Kondo sont surdoués, hein. Mais c'est craqué. Si elle te dit, genre, ma fille va être présidente l'an prochain, ça va être. C'est ça. Par contre, c'est terrifiant parce que quand elle se met à côté de sa fille fait peut-être le tiers de son poids et le machin, il a 2 ans, si tu veux. Tu te dis, mais Marie Kondo. Moi, Marie Kondo, en fait, je pense qu'elle se reproduit comme Piccolo. Tu sais, comme le démon Piccolo. Genre, elle vomit un œuf, en fait. Il y a un truc qui se passe, ça.
c'est éclos, tu t'appelleras Ping Pong, et boum, le machin il sort. Et il commence à composer du Debussy sur le piano, tu vois. Allez. C'est Family Guy, le truc, quoi. Je plaisante. Ah putain. Attends, pour l'instant, j'essaie en fait de pas perdre le fil de ma forge. Oui, non, mais c'est mais mort. En vrai, c'est il faudrait, en vrai, il faudrait aller dormir pour que les 25 de bois là. Oui, 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 allons-y, allons-y, allons-y. On relance la machine. Allons-y. Oui. On rappelle qu'il y a des cabanes en l'air. Hein. Oui, d'ailleurs, on va la meubler et tout. Enfin, bien, bien. Quand on aura rangé ta maison, on saura de quelles ressources on dispose. Et on pourra transformer cet endroit en vrai... comment ça s'appelle en vrai... Putain, mais la nuit fait pas du tout pousser du charbon. Bah, en fait, il restait très peu de nuit. Et donc, très peu de temps s'est écoulé, en fait. Je suis pas content, quand même. Ah bah, tu t'es chié dessus, qu'est-ce que je te dis. Ça va pas vite. On a 34 d'argent, là, de fondu. 35... On va pouvoir faire des choses. Hein. Oh, le boudin, ça a l'air incroyable. De la farine d'orge, on sait faire de l'orge ou toujours pas hein? Non. Non, putain. Et ça, je crois que ça ne pousse que dans la plaine, d'ailleurs. Oh. Résistance au feu. Ouais. Passe d'ridomelle très revigorant. Okay. Des schtroumpfoises, des myrtilles, du miel. Il y en a tellement, il y a fini. Mais j'ai pas assez de charbon. Ah, il me faut de la viande crue, c'est ça. J'ai des chardons et tout, mais il faut de la viande crue. Il me faudrait une autre centrale à charbon, mais je crois qu'il me faut deux pierres de sorting que je n'ai pas. Je peux te filer des pierres de sorting, j'en ai une vingtaine à la maison. Ah ouais. Ça te branche, hein. Il faudra que tu me réinvites. Mais... Non, mais ça, on va s'en sortir, on va s'en sortir sans là. Parce que, non, mais attends, une fois parce que c'est forgé, ça sert plus à rien. Tu dis ça, mais on va crapahuter dans la savane. Une fois que c'est forgé, en vrai, c'est pas nécessaire, quoi. Là j'en ai 3 d'avance. Après j'ai vraiment des téléporteurs, je pense qu'ils servent plus à grand chose. Le glagla, le marchand. Le téléporteur Keshua en vrai il a plus grand intérêt. Par contre j'ai vu vite fait en stream la partie de Poppy. Oh là là, c'est un autre jeu en fait. Elle joue à Elder Scrolls qui est entièrement reconstitué dans le truc, quoi. Genre c'est un village. Elle a un élevage de loups, il y a 50 loups, enfin c'est son champ de patates, il est gigantesque, il y a des miradors, il y a des comment dire. Tu sais, il y a vraiment des chemins de ronde avec des tours, des remparts et tout oh là là, c'est abusé. La violence. Genre littéralement leurs chiottes sont mieux que chez nous, quoi, tu vois. C'est pas le même jeu, quoi. Alors j'ai une bonne nouvelle. On joue un meilleur jeu. Oui. Nous sommes en surexcès de saucisses. Ah, magnifique. Alors attention parce qu'après on va galérer pour les chardons pour faire des... Mais techniquement on a plus trop besoin de potions en ce moment là. On est à peu près bien. Et il nous reste 8 chardons. Peau de loup. Très bien. 8 chardons mélangés à tes 3 chardons pour un total de 11 chardons ou 10 chardons pour faire une potion si jamais. Ah oui, effectivement, t'étais à la Zermi au champi. Hein. Ah ouais, non, mais là, je trouve c'est le charbon le problème. Par contre, j'étais full stack. Ah, mais j'ai 5 charbons, moi, tiens. Ah, bah donne. Où est-ce que je mets je mets ça là La donne. Ouais. Et hop. Bah, il passe où? Bah, je l'ai mis dedans. Ah, tu les as mis dedans directement. Ouais, non, j'ai bourré. J'ai bourré. Ok, la viande, les saucisses, le miel. Donc, ça, c'est bien. 6, il en reste 7 là. Ça ne va plus. En fait, je le bourre au fur et à mesure, quoi. Je suis vraiment un lemming, quoi. Pour essayer après de tout ramener. Ah, j'essaie d'optimiser. De la forge. J'essaie d'optimiser, mais il refuse. Mais Poppy, vu ce qu'elle faisait, vu son niveau de jeu sur Minecraft, ça m'étonne pas que sa truc sur Valheim, c'était infini. Hein. C'était absolument pas une seule seconde. Bien sûr. Ah oui, l'œuf. C'est vrai, j'avais oublié l'œuf. T'as vu l'œuf bat dragon. Oui, c'est ça. L'œuf only fan mural, j'avais oublié, putain. Ah, tu me tues. L'escalier, il est tellement dégueulasse. Ouais, il va falloir ça... un moment que je me bute à le faire, mais même ça lui donne un style. Hein. On peut réadapter si tu veux. On peut faire un tapis en peau de lox en attendant. Non, on fera un tapis en peau de cerf ou en peau de troll. Il y a des tas de choses à faire. Il y a
pot de lox dans la maison là. Tout en haut, tu veux dire? Ouais, je vois. Ouais, tout en haut. Je vois. 3 de charbon. Laisse-moi poser. Voilà. Je vais donc aller voir. Aller voir ton marchand. On est d'accord que tu es habillé en bronze encore? Bien sûr. Et toujours aussi invincible. Je vois, j'en doute pas. Une seule seconde. Qu'est-ce qu'on va voir quand même ce qu'il est possible de faire. Alors, que, sur mon chat, excuse-moi, j'ai la violence, hein, sur mon chat, quelqu'un. Ouais, alors cet œuf de dragon, il va éclore, ça dépend. Est-ce que ta mère le tient bien au chaud? Pardon, excuse-moi, c'est terrible. Le pauvre est ouais, mais je sais, mais il paye. Moi, ça paye, tu sais, c'est ça vrai. Paye. C'est gratuit. Oh, 655 balles, hein, quand même, que je viens de te vendre là au marchand. Donc, Ouf. Nice, alors je sais pas ce qu'on va acheter de plus ou de moins. Ouais, des canapés, je sais pas. Alors. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Avec la chair d'Ymir, on peut faire le plus gros marteau de l'histoire. Oh, attends, il en faut combien? Parce que je viens juste de récupérer du pognon, j'y retourne là. Alors attends, je crois que j'en ai deux d'avance. Combien il t'en faut? Parce qu'on a plein de pognon. Je crois qu'il en faut 5 en tout. Eh ben voilà. Je crois qu'il y en a deux d'avance. Attends, ouais, deux chairs d'Ymir, donc 5 en tout. Et attends, attends, on a de quoi en faire deux, hein. Après, est-ce que on va pas, je pense qu'on va pas prendre deux marteaux à deux mains. Mais ils font combien de dégâts par rapport à ta lance là? La lance c'est 76. Les dégâts c'est quoi? Là c'est. Attention, je veux pas te faire hurler, mais c'est tranchant 35, glace 40, esprit 20 en dégâts. Attends, 35. C'est un 40, énorme. 75, ah mais il est que d'une main. Oh, c'est vraiment le marteau de Thor. Oh, oh c'est infini. Il en faut deux. J'y vais. Ok. Alors c'est quand même 30 argent, 5 chairs d'Ymir, 5 glandes gelées. Oh la va. Alors donc, les glandes gelées c'est fastoche. Les glandes gelées, on en a 1000 d'avance. Et 10 écorces. Bouge pas, j'ai ramené des écorces. Ah, attends, cher Dimir, j'en ai sur moi, j'en ai 2. J'ai pris les tiennes. Donc j'achète 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 300 balles et on a 10 chers Dimir. Propre. Ah ouais, c'est propre. Les glandes gelées, je crois que j'en ai dans le coffre. Ah putain, je sais pas combien de fois. J'en ai 8. Oui, il y en a plein. Et puis honnêtement, quand on ira chercher de l'argent, parce qu'on n'aura jamais assez, 1000 fois. L'arme, elle doit tuer, hein. Je le mets dans ton coffre du workshop là, la chair d'Ymir. Boum. Ah c'est ça. Ok, alors il nous faudrait 2 glandes gelées de plus, mais c'est pas grave, on a un téléporteur au glagla, hein, donc quand on aura tué des dracs, ça va le faire vite fait. Là tu m'as donné la chair d'Ymir. Il est dans le coffre de la forge. Je mets la glande gelée. À quoi sert le totem gobelin? C'est stylé. Bah écoute, il est stylé. Je pense, je subodore que ça servira de sacrifice ouais. Au boss de la plaine. Ouais, mais je propose qu'on. Oh non, il y en avait 3 autres. Oh oui, c'est bon, on peut le faire, Bob. Mais t'as pas l'argent. Mais si, j'ai l'argent. Oh, t'as tout l'argent. Attends, c'est combien d'argent? Attends, je me fais peur. C'est 30 d'argent, ok. D'accord. Qui est-ce, c'était poder? Je pense qu'il va falloir attendre de tout fondre, mais je peux déjà en faire un premier et tu vas pouvoir. Vas-y. Le montrer aux gens du chat. Montre-moi. Oh là 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 là. Équipe. Ça a l'air extrêmement bien. Wouah! Effectivement. Oh, il a l'air de caillasser! Attends, j'ai trop de trucs sur moi. Je veux faire un peu de sport avec. Ouh! Il y a un petit effet qui se coule. Ah, ouais, ça, c'est ah, le dragon, ouais. Effectivement. Oh là là. Doucement. Ouais. Ouais, non. Ah! Prends ce marteau de Thor. Argivre! Oh, il est stylé. Bon, après, on s'était fait des lances en croc qui sont vraiment. Vraiment alors, très les lances en croc, elles sont très bonnes, mais gros problème de reach dessus. Ouais, non, et, mais de toute façon, la lance, elle a une hitbox. Et bizarre, attention, hein. Attends, je te le rends. Et attention, gros problème aussi de d'endu. Parce que crois-le pas. Mais le fait de spammer, ça te vide très très vite. Et en fait, voilà, ah ouais, c'est le. C'est comme, tu sais, quand il t'explique, c'est mieux d'avoir un fusil à verrou plutôt qu'un fusil automatique. Parce que tu voilà, chaque tir, t'y penses. Alors qu'avec un fusil automatique, bon, bah, tu prends ta bite et. Cours, ouais. Voilà, c'est ça. Alors. Attends, parce que là, les forges sont vides. Il ne faut pas arrêter les forges. Bon, je vais entamer le travail. Garde un peu de charbon pour faire des panneaux si tu veux. Parce que je vais entamer le travail
de rangage de la maison. Là, tu vois, je suis allé chercher d'un peu de, des bouts de viande histoire de pouvoir les mettre à cuire de manière à ce que ça fasse du charbon pour être sûr que tu les fasses pas. Qu'ils soient pas avalés instantanément dans la forge de. On est d'accord, que, Bob, que toi tu préfères qu'on upgrade ton. Tu préfères avoir un marteau que d'avoir une nouvelle armure par exemple. Ah bah oui, bien sûr. Évidemment. Non, c'était juste pour vérifier. Très bien. C'est quoi cette question à la con? Vérifier, très très bien, tout va bien. Voilà, bien sûr. Ah putain, j'ai la flemme de faire l'arc de drogueur là, il est trop cher. Hein. Mais c'est surtout le charbon là qui vient à manquer. Alors, toujours le charbon. Alors, réfléchissons. Déjà, il nous faut un peu de bois. Je mange de la marmelade. Ah, je vais mettre ça de côté. Qui manquait. Ah oui, il manque d'argent pour faire le marché. Voilà la marmelade. Ça va aller vite, hein. C'est juste une question de charbon. Putain, et ça me donne limite envie d'aller dans la catacombe la plus proche et de ramener des. Non mais la catacombe la plus proche elle est loin. Ah si, près de Keshua il y a des catacombes. Mais de ramener quoi? De ramener des pierres de Sortling pour faire une centrale à charbon quoi. Ah, une deuxième. Ouais, ça me paraît essentiel. Honnêtement, une centrale à charbon peut alimenter une forge mais pas deux. Mais tu sais quoi Bob, tu vas prendre le marteau et on va aller tabasser des squelettes avec. Non, je range ta maison. Tu vas aller tabasser des squelettes, ramener des pierres de Sortling. Tout seul. Et pendant ce temps là je marie Kondo l'intérieur si tu veux. Je mets mon phare. Ah non, attends, je sais ce que je vais te. Je vais te passer vite fait un autre truc, comme ça. T'es où là? T'es en haut? Je suis dans la forêt, je suis en train de taper des arbres là. Ah oui, d'accord. Du bois pour l'industrie, mais du bois pour la. Pour la... Bon alors, pour les gens de ton stream, dans ton coffre Bob Lennon. Très bien. Tu iras checker le casque en drac. Mais tu le mets pas? Bah non, parce que là je vais prendre la lampe de spéléo pour aller faire des. Ah ouais, ouais, bien sûr. Et puis en plus c'est des squelettes de mer, donc tu vas avec ta masse, tu les bolosses. Exactement. Ah non, mais j'y vais avec le marteau quand même. Avec le marteau, ouais, non, mais là, la bolossa, oh là là, c'est sublime, la bolosserie que tu vas leur mettre. Clac, ouf, ok. Voyons voir dans le marteau. Le casque. Oh. Non, non, il devrait faire plein normalement. Oh là 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 là. Non, mais c'est le casque, oh là 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 là, c'est le casque, tu portes ton enfant sur le dos, t'es une moto si tu veux. Aussi ouais. Ah c'est stylé hein. Petites oreilles de lutin. Il est un peu chiant à améliorer, mais moins que le pantalon de loup, il faut des crocs de loup pour l'améliorer. Alors que les autres trucs, en vrai c'est 20 d'argent et puis c'est marre quoi. Bon allez, je vais aller chercher de quoi faire une deuxième centrale à charbon parce que là ça commence à casser les crocs. Est-ce qu'on a des pierres quelque part? Alors il y a des pierres un peu partout, il y a des tas de pierres. Très bien, tu peux le constater, ouais, il y en a un collé là. Ouais, je vais prendre ça. Il y en a ça, deux derrière, il y en a un autre voilà, dans le coin que derrière le bois. Impeccable, je vais faire une binette, faire une bêche, et je vais aplanir aussi le terrain. Oh là, attention, je reviendrai, on verra. La foi mon cher Benzaï. La foi. Alors, et je me casse la gueule, la merde. Bing. Ok, catacombe la plus proche, il y a là ou là, ouais, c'est à gauche. Une saucisse, un chou. Putain, le marteau! Pareil, hein, un marteau que vous allez être nombreux en stream tous les jours en VOD. Genre, mais pourquoi il y a ce marteau? Comment il a fait? Le marchand. Il suffisait d'être bien né. Orage. Oh, ça les envoie tellement sur orbite. Tu les mets sur Pluton un peu là. Ah non mais le knockback mon gars c'est genre 10 mètres quoi, c'est n'importe quoi. Oh putain, j'ai tellement hâte de taper les squelettes. Ouais, ce marteau s'appelle l'argivre. Les morts craignent l'argent, rappelez-le leur. Oh putain, il est Demon Slayer en plus le truc, enfin Undead. Ah oui, parce que il fait 20 de dégâts d'esprit et 40 de dégâts de glace. Oh là là, oh là là, oh ça va être pas mal.
Oh, ça va faire mal là pour se loter un donjon. Venez voir Mamie Nova. Ouais, allez voir Ben. Hein. Moi, je travaille là. Là, on a l'entrée d'une petite catacombe. Voilà, déjà. Et oui, comme les drogueurs sont undead, ils prennent des dégâts sacrés comme avec les épées en argent. Ouais. Ils voient un peu plus clair. Tu leur mets un coup d'épée dans le cul, ils s'enflamment. Ça, c'est très cool. Épée en argent, bien sûr. Mais bon, pourquoi ne pas avoir le marteau le plus fracasse, ouais. Salut les mecs! Alors, je trouve de la thune, bien sûr. Putain, ça sert donc à ça, la chair d'Ymir. Oh! Oh mon dieu, ça one-shot absolument tout ce qui existe! Ah, j'exulte. C'est beau ça! Le truc, la pile de cadavres, le spawner a disparu. Je l'ai gommé de la surface. Ça, de la terre. Ça nous mettra peut-être au niveau des gobelins, ouais, la plaine, c'est ça. Ah ouais, non, mais là, les gobelins. Ah putain, j'étais loin de taper des gobelins avec. Ils vont se faire vaporiser. Ah ouais, non, mais là. Alors, j'ai trouvé. Première salle, 4 surfing. Très bien. Ah, oh, j'exulte partout. Squelette, non, la faute. Les ossements, ça commence à casser les couilles, hein. C'est pour améliorer les caps en pokémon. Couilles de troll. Point. Ce luxe, putain, de faire des catacombes point, comme point, ça, là, point, tout seul, point. Avec la lumière et tout. Et d'ailleurs, mon cher Bob, quand tu écris des histoires de Rick Fantasy, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Alors, du Heroes of Might and Magic de comment ça s'appelle, de Paul Anthony Romero. Ouais. C'est imbloquable. Alors après, beaucoup de Conan aussi. En fait, ça dépend selon la version. Si par exemple, tu vois, je vais écrire un truc sur les pirates, je ferai de la musique de pirate. Il faut que ce soit situationnel. Si c'est pas situationnel, t'as pas l'esprit. Et si tu as la situation, tu as le soul. Si tu as le soul, tu as l'esprit, etc., etc. Donc c'est dans l'idée. Mais là, pour l'occurrence, du Heroes of Might and Magic teinté de Conan. Et je parle de Conan les jeux vidéo et pas à Conan les films, parce que les musiques de Conan les films sont très spécifiques aussi et ont leur propre ambiance qui est un peu plus, je sais pas comment dire. C'est plus sauvage, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement. Et t'as moins cette sensation de ville, t'as moins la grosse taverne. Est-ce que tu sais que c'est notamment dû au fait que l'orchestre pour lequel ça a été écrit était. Enfin, l'orchestre était plus petit que prévu, en fait, sur la BO de Conan. Mm-hmm. Et du coup, en fait, ils ont dû réduire un petit peu et garder, du coup, les instruments qui donnent ce côté plus primitif à la BO. Sauf que, et ça, c'était Pen of Chaos qui me l'avait expliqué. Au Canada. Poc, ouais. Mais je pense que tu as déjà entendu cet album. Parce que. Mais même si pour moi, c'était une trouvaille, genre 30 ans après. Mais l'album Conan Prometheus. Oui. Qui est donc, en fait, les partitions de Conan rejouées par un orchestre, mais telles qu'elles ont été écrites à la base, sans l'orchestre réduit. Et ah oui, tu m'en avais déjà parlé. Et c'était un truc complètement pété. Tracks, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, elles sont très mal ripées sur YouTube, donc il va falloir qu'à un moment j'achète l'album. Mais et que je les rip moi-même pour les écouter sur bien sûr, bien sûr, bien mais sûr. Du coup il y a même des tracks qui ne sont jamais sortis, mais de Basil Poledoris, le regretté, est l'un des meilleurs compositeurs de l'histoire du bien cinéma. Sûr absolument. Et du coup tu redécouvres des gammes et une espèce de rondeur sur des tracks que tu pensais connaître par cœur, quoi. Et du coup petit conseil pour vos soirées Heroic Fantasy, les amis, ou jeux de rôle, parce que la BO de Conan avec la production value du Seigneur des Anneaux, c'est un délire, quoi. Pour moi, rien remplacera la BO originale, hein, genre c'est, elle est imbloquable, elle est parfaite. Mais bien sûr, absolument. C'est juste que voilà, une version alternative un isekai, ouais. Si tu veux, ça fait rêver, tu vois. Surtout ça si tu rêver, les connais par cœur à la base, ouais, c'est clair. Non, c'est trop bien. Franchement, c'est génial. Allez, je vais revenir avec mes petites pierres de Stortling. Putain, dire que j'avais pas ma ceinture de force. Hey. Alors, tu reviens un peu tôt, mais...